La saison des marchés de Noël bat son plein, l'occasion pour vous d'en découvrir deux ce week-end à Loison-sous-Lens et ici à Avion. Les incontournables vins chauds, friandises et autres décorations de Noël sont à retrouver sur le marché de Noël d'Avion, sur la place des droits de l'enfant depuis vendredi. Il se tient 3 jours avec dimanche à 19h un géant feu d'artifice et parmi les chalets présents sur place, celui des Pères Noël verts du secours populaire. On a essayé de varier un peu, c'est aussi bien de la déco que des jouets aussi, en faisant un tarif, un prix solidaire, c'est-à-dire qu'il va vraiment être au ras, le minimum qu'on peut faire pour les familles. Et on va vraiment au plus bas, on est à 1€ et au grand maximum, on va tourner à 20€. Trois jours de fête également à Loison-sous-Lens avec une vingtaine de créateurs présents sur la place du Général de Gaulle et un chalet en particulier, celui du scrapbooking. Scrapbooking, c'est la base de papier carton qu'on peut récolter partout. Il y en a qui en jettent, on récupère, on achète. J'ai créé les boîtes avec les chocolats à base comme si c'était un bonbon. Ce truc-là, c'est une tasse à café qu'on met un chocolat pour présenter à Noël. Mettre sur les tables, ça plaît aux gens. Faut pas que ce soit trop cher, quoi, surtout, hein, c'est ça. Et si vous souhaitez encore flâner la semaine prochaine, ne manquez pas l'ouverture du marché de Lens ce vendredi 15 décembre avec un tour de manège ou de patinoire, et vous pourrez même tenter de croiser le Père Noël, tout là-haut.